Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens aujourd'hui avec cette vidéo vous présenter des petits achats que j'ai effectués lors d'une vente privée organisée par Claire de la chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Alors, j'avais entendu parler de ces petites ventes privées qu'elle faisait de temps en temps et je n'avais jamais eu l'occasion d'y participer. Alors, d'une part, parce que je ne pensais pas être éligible, entre guillemets, hein. Je pensais qu'il fallait être sur Instagram, plein d'autres choses comme ça. C'est vrai que j'avais pas pris le temps de me pencher sur ça. Et puis, lors de sa dernière vente privée, je lui ai envoyé un mail et je lui ai demandé si je pouvais éventuellement acheter des articles qui pouvaient me plaire. Et il n'y avait pas de souci, en fait, voilà. C'était un live, elle présentait tout ce qu'elle vendait. Et effectivement, j'ai trouvé plein de petites choses qui m'ont beaucoup plu. Donc, je vais vous les présenter. Ce sont des petits articles qui ne coûtent pas cher du tout. Alors, apparemment, vous pouvez aller sur son Instagram, donc Les Aventures Scrap de Claire. Je crois que c'est comme ça que ça se... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, voilà, l'étiquette de qui clôture la petite enveloppe de son envoi, voilà. Je crois que voilà, il y a les deux petits logos, Facebook et non, c'est pas Facebook. Instagram, excusez-moi, et YouTube, bien sûr. Voilà, donc et je pense que sur l'Instagram, on voit les articles. Voilà. Alors, j'ai fait donc une petite commande. Ça s'est très bien passé. Tout ce que je voulais était en stock et c'est arrivé chez moi très très rapidement. Alors j'adore déjà ces petites enveloppes matelassées. Voilà. Tout était très bien protégé et je vais vous montrer ce que j'avais sélectionné. C'est mignon comme tout. Alors la présentation, bien évidemment, moi je suis toujours assez fan, assez touchée par voilà, la façon dont on peut présenter les choses. Alors, voilà, c'est dans des petits sachets comme ça, qui sont pas zippés, mais pressionnés, en fait, sur toute une longueur, là. Et voilà, il y en a de plusieurs couleurs, tout dépend le contenu. Alors, et puis on trouve sa petite étiquette logo, hein, voilà. C'est scrap. Alors, je lui ai commandé donc deux plaquettes de petits scratchs, donc des tout petits scratchs. Donc, il y a des roses pâles et des bleus pâles. Voilà, je les trouve mignons comme tout. Et voilà, et j'en ferai bien sûr usage. Hein, moi, je. Voilà, sur mes petites créations enfants, je pense, mais pas uniquement. Voilà. Ensuite, j'ai commandé ça. C'est trop mignon. C'est vrai qu'il y a beaucoup pour mes créations enfants. Hein. C'est un petit bonnet. Voilà. Il y en a un bleu et il y en a un rose. Alors, je vais vous montrer. Je vais peut-être sortir le rose. Voilà. Donc, de la petite pochette. C'est adorable. Alors. Le petit bonnet se présente comme ça. C'est un petit bonnet au crochet, je pense. Oh, c'est trop mignon. Trop, trop mignon. Donc voilà, le petit bonnet rose, donc que j'ai également commandé en bleu. Alors ensuite, j'ai commandé les petites lunettes, comme ça, les petites lunettes de mini, logiquement. Hein. Mais voilà, sur un album de mes petites puces. Les petites puces en vacances, par exemple, ou autres, en bord de mer, autres. Voilà, les petites lunettes. Elles sont vraiment adorables. Ça peut être une jolie petite illustration sur une couverture d'album. J'ai également commandé. Alors, il y en a pas mal. Je vais les rassembler. Voilà. Des mini, mini, mini petits pompons. Je les approche pour que vous les voyez. Alors, je les ai pris de cette couleur. On va dire que c'est un petit vert d'eau. Je les ai pris en rouge. Je les ai également achetés en blanc. Et également
en rose très très pâle. Les petits pompons comme ça, c'est génial pour mettre mais toujours sur des créas, des tranches d'album ou effectivement des créas pour Noël, moi qui fais des boules à décorer, des choses comme ça. Alors, je les sors de l'emballage, voilà, pour vous montrer, tout petit petit, avec un petit crochet. Je vous ai montré, voilà, un petit verre d'eau. Donc, il y en a 5 par petite pochette. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris la petite pochette de sequins, comme ceci. Donc, il y a des sequins, c'est des petits assortiments hein, qu'elle fait. Il y a des petits sequins rose pâle, nacré, blanc, pailleté, doré, pailleté, rose. Et des petites fleurs également. C'est joli comme tout. Pour mettre en shaker ou autre chose. Et j'ai également pris la pochette également avec des petites étoiles bleues. Des sequins, rose, rose pailleté. Voilà. Tout un petit mix, un petit mélange. Voilà. J'ai également choisi des petits flocons comme ça. Voilà. Ce sont des petits flocons pailletés, roses. Alors oui, c'est pas pour tout de suite, certes, mais bon, tant que Claire en a en stock, bon, ben, je voulais essayer d'ouvrir la poche, le petit sachet, pour vous les présenter. Alors, voilà, regardez comme ils sont jolis. Voilà. Petits flocons pailletés. On peut les utiliser aussi de l'autre côté. L'autre côté, ils ne sont pas pailletés. Et ils sont roses plus soutenus. Voilà. Tout dépend l'usage que l'on veut en faire. Je ne suis pas du tout déçue de ma commande. Loin de là. Je trouve que c'est charmant. Tous ces petits articles sont charmants. Voilà. J'ai également pris une petite pochette avec des petites étoiles. Des petites étoiles un peu rembourrées, comme les flocons. Alors, je peux vous assurer qu'elles ne s'enfuiront pas. Les petits sachets sont bien fermés. Alors, je vais essayer d'en attraper une. Voilà. Petites étoiles blanches pour que vous les voyez mieux. Hop là, voilà. Très, très mignonne. Ensuite, alors il y a beaucoup d'articles en fait. Claire présente plein de choses. Il y a des étiquettes, il y a plein de choses. Ça vaut la peine de participer à une petite vente privée en live. Ensuite, j'ai pris des petites épingles comme ça. Alors, Claire les appelle des petites épingles gourdes. Donc, j'ai choisi un petit sachet de rose gold. Et un petit sachet d'épingles de plusieurs couleurs. Voilà. Il y a une dorée, une rose gold, une plutôt couleur argent, une bronze et une noire. Voilà. Et avec tout cela, Claire m'avait mis en petit cadeau de remerciement un très très joli trombone. Voilà, il est très très chouette, tout en rondeur. Voilà. C'est la charmante carte qui accompagne notre commande. Voilà, donc je remercie Claire pour cette commande qui est arrivée, enfin cette livraison on va dire, voilà, qui est arrivée très rapidement. Je suis très contente, tous les articles étaient disponibles et voilà, je voulais tout simplement vous en parler dans la mesure en plus. Je suis très contente, voilà. Voilà. Ce sont vraiment de très très jolies choses et tout n'est pas là, je peux vous l'assurer. Il y a encore plein de belles choses. Voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.